Il y a plus de 50 ans, les montagnes qui surplombent Grenoble ne connaissaient pas encore de remontée mécanique. Ceux qui en gravissaient les pentes avaient d'autres préoccupations que l'alpinisme, l'escalade ou les sports d'hiver. Ils avaient décidé de résister à l'occupation allemande. Galilée ravive les douloureux souvenirs gravés dans la mémoire des hommes et les pierres de la montagne et donne la parole à ceux qui choisirent de s'engager corps et âme pour la République libre du Vercors et pour la France. Chaque hiver, au-dessus de Grenoble, dans le Vercors, Villard-de-Lans accueille les vacanciers, adeptes des sports d'hiver. La plupart d'entre eux ignorent qu'ici, sur ce plateau, eurent lieu des événements dramatiques. C'était il y a environ 55 ans. Ces montagnes furent un haut lieu de la résistance en 1942. Ici, à Villard-de-Lans, il n'y avait pas de remontée mécanique. La côte de Mille n'était pas construite. Les pistes n'étaient pas tracées. Et le village, c'était ça. Autour du docteur Samuel et de Victor Huillier, patron des cars, se retrouvent les hommes qui s'opposent au maréchal Pétain depuis juillet 40. La France est alors coupée en deux. Au nord, une zone occupée par la Wehrmacht. Au sud, une zone dite libre, dirigée depuis Vichy par le maréchal Pétain et son ministre Laval. Sur le plateau du Vercors, l'opposition au régime de Vichy s'organise, mais aussi dans la ville de la vallée voisine, Grenoble. En mars 1941, quand Pétain vient à Grenoble, la place de Verdun a un tout autre aspect. Je venais de m'évader du camp prisonnier. J'avais vu les Allemands de près, je les avais vus sur leur mirador, menaçant les prisonniers de guerre. Je savais qui ils étaient. En plus de ça, j'avais déjà un passé de militant antifasciste. L'un joignant l'autre, je suis arrivé ici, à Grenoble, avec la ferme intention d'être contre. La population était entièrement derrière Pétain, et lorsqu'il est venu parler place de Verdun à Grenoble, il y avait 10 000 Grenoblois, et nous distribuions nos tracts à bicyclette, dans des conditions farfelues. Nous avions un tract qui était absolument impeccable, et le tract était intitulé « Pétain égale Hitler ». Et tout au long du tract, nous dénoncions la collaboration. Nous avons réussi à échapper à la foule et aux flics, mais pas longtemps, puisque c'était en mars et qu'en mai, on s'est trouvés en cabanet les uns les autres. Opposants de Grenoble et du Vercors se retrouvent secrètement ici, au café du rendez-vous des cheminots, autour du docteur Martin, ancien maire de la ville. Ils intègrent le mouvement Franc-Tireur, du nom du journal clandestin hostile à Pétain. Le 11 novembre 1942, la zone sud est envahie par les Allemands et les Italiens. Ces derniers contrôlent les Alpes. Peu de temps avant son arrestation, Jean Moulin, venu en France pour unifier les différents mouvements de la résistance, prend connaissance du projet d'un résistant de Grenoble, Pierre Dalloz. Ce que Dalloz avait rédigé, c'était un plan. Le plan qui disait, voilà les qualités du Vercors, et voilà ce que nous suggérons d'en faire, de ce plateau. Les qualités, c'est la semi-inaccessibilité. On ne se faisait pas d'illusions, on savait bien qu'il y avait toujours moyen de franchir les obstacles, n'est-ce pas, et que les troupes allemandes avaient tous les moyens pour le faire. Mais malgré tout, ces falaises, ces zones inextricables tout autour, ça représentait un ralentissement certain pour ces unités. Donc la possibilité pour nous, sur place, si nous en recevions la mission, de retarder suffisamment longtemps
l'offensive ennemie pour permettre des débarquements confortables des unités destinées à agir à l'extérieur. Les montagnards continuent de gravir les cimes. Ce message de Londres confirmera le soutien des alliés qui s'engagent à parachuter hommes et matériels sur le Vercors le jour venu. Le 16 février 1943, le STO, Service du Travail Obligatoire, est instauré. Les jeunes en âge de faire leur service militaire doivent partir travailler en Allemagne. Dès lors, bon nombre de Dauphinois réfractaires vont se réfugier dans le Vercors, aidés par le réseau Franc-Tireur. Ici, sur le plateau d'Autran, aujourd'hui rendez-vous des amateurs de ski de fond, le chalet de Gève n'était pas un restaurant, mais une cabane forestière. Ce fut le refuge d'une trentaine de ces réfractaires. Sur l'ensemble du Vercors, on compte 9 camps qui rassemblent 2 à 300 maquisards. Très vite encadrés par les militaires, ces jeunes formeront une petite armée clandestine, avec ses sections et ses compagnies, dans l'attente de l'exécution du plan montagnard. Je crois que sur le plateau, les gens continuaient de vivre comme... On avait l'impression, quand on arrivait ici, qu'il n'y avait plus la guerre. On a pu... Non. Il n'y avait pas d'acte de guerre. Donc, si l'on savait qu'il y avait des camps, c'était réconfortant, c'était une rébellion. Le 9 septembre 1943, les Allemands remplacent les Italiens à Grenoble. La résistance s'intensifie. À l'emplacement actuel du commissariat à l'énergie atomique se trouvait l'arsenal de la caserne du Polygone, tenu par les Allemands. Les résistants le font exploser. Ce sont 137 attentats que les groupes francs et les FTPF commettent en 9 mois. Au contact de l'ennemi, la résistance a pour objectifs principaux la propagande, le sabotage et les renseignements pour informer les alliés. Un de nos agents principaux à Grenoble, c'était le chef de cabinet du préfet. On ne pouvait pas être mieux placé. Le chef de cabinet du préfet savait rigoureusement tout, et sur les forces de police, et sur la vie économique du pays, et sur les composantes de la vie de tous les jours. Il est devenu un de nos agents, c'est moi qui l'avais contacté, il est devenu un de nos agents, et à partir de là, je savais autant de choses que le préfet. Des militaires allemands nous ont dit qu'ils avaient été envoyés ici en sanction. Ils avaient peur de Grenoble, ils avaient l'impression qu'ils étaient continuellement sous la surveillance de la résistance. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Les maquis captent alors le message de Londres. Le chamois des Alpes bondit. C'est l'ordre du soulèvement. Aussitôt, la mobilisation est déclarée. Les compagnies civiles des vallées rejoignent leur poste. Ils forment alors une armée de 4000 hommes pour protéger la toute nouvelle République libre du Vercors. Pour affirmer cette liberté retrouvée, on hisse le drapeau français à Saint-Nizier, au-dessus de Grenoble. Dans un premier temps, le 13 juin, les Allemands attaquent Saint-Nizier. Malgré l'âpre défense des maquisards, ils enlèvent la place et y installent la tête de pont du siège. Mais l'ensemble du plateau demeure encore sous contrôle des maquisards. Je voulais monter au Vercors parce que je voulais être avec mes camarades le jour du 14 juillet pour fêter cette fête de la liberté, là-haut, parce qu'ils étaient, ils vivaient dans l'illusion de ce que le Vercors était libre et allait le rester. Et nous sommes arrivés au début de la fête qui avait lieu à Saint-Martin-en-Vercors dans un état d'euphorie absolument incroyable qui nous a bouleversés. Bouleversés d'abord d'enthousiasme de voir ça, retrouver la liberté, la France libre et fière là-haut, alors que nous venions de cette fournaise que représentait l'Isère et surtout la région de Grenoble. Et pour couronner cette fête, les bombardiers britanniques effectuent en plein jour un parachutage important d'armes. Avassieux,
on redouble d'activité pour construire une piste d'atterrissage pour les avions alliés. Le 20 juillet 1944, la 157e division du général Pflaum attaque de toutes parts. À Val-Chevrière, clé du passage vers le sud du Vercors, les maquisards résistent héroïquement. Mais plus nombreux, les Allemands parviennent à faire sauter le verrou. À Vassieux, les habitants voient arriver des avions. Ils pensent que ce sont les Alliés, mais ce sont des planeurs allemands. Après de rudes combats, les maquisards reçoivent l'ordre de repli dans la forêt, abandonnant ainsi le plateau à l'ennemi. On trouvait une population qui ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Ça lui est tombé dessus tellement vite. Ils étaient contents de voir la résistance chez eux et ils n'ont pas imaginé un moment le risque qu'ils couraient. Alors ça, je crois que ça a été très, très, très dur à vivre et à oublier. À Vassieux, les Allemands assassineront 80 villageois, vieillards, femmes et enfants. Ici, à la grotte de la Luire, hôpital des résistants, les médecins, les blessés seront exécutés et les infirmières déportées en camp de concentration. Les combats du Vercors ont fait 840 victimes, mais ont permis de mobiliser 15 000 ennemis qui n'ont pu être transférés vers le front de Normandie. Grenoble et le Vercors ont été libérés le 22 août 1944. Aujourd'hui, les ruines de Val-Chevrière témoignent encore de la tragédie du Vercors.